Il y a des gens qui ont une mémoire courte. Il y a des gens qui sont sortis pour faire Jovenel Moïse passer comme si c'était un bon président. Non! Soyons sérieux avec le pays. Jovenel Moïse, c'est un président délinquant. Jovenel Moïse, c'est un président criminel. Non, c'est Jovenel Moïse qui crase toute institution dans le pays. C'est Jovenel Moïse qui crase la justice. C'est Jovenel Moïse qui crase la justice. C'est Jovenel Moïse qui crase la police. Jovenel Moïse fait alliance avec gang, avec assassin, pour tuer le monde dans le quartier populaire. Pour violer si monde dans le quartier populaire. Pour voler bagaille monde. Pour assassiner le monde dans le pays. Jovenel Moïse, pas bien mon héros. Jovenel Moïse, c'était un chef d'État délinquant, c'était un criminel. C'est Jovenel Moïse qui crase le pays. Pas aucune institution qui campait. Il n'a pas dit encore. L'été mourir, nous te voyons condoléances pour famille. Nous te dit nous condamner l'assassinat. Parce que son monde qui mourit. D'accord? Son monde qui mourit. Nous te condamner l'assassinat. Mais attention, nous ne pas quitter personne. Vin camper là pour faire peuple comprendre. C'est ton président qui a un rêve pour le pays. C'est menti. Qui ça Jovenel Moïse te fait? Jovenel Moïse prête tes paysans de la Côte Centrale. Il prête tes paysans de la Timonique. Il prête tes paysans dans le Nord. Il va y avoir des appels qui sont oligarques. Pour te réhabiter pour le pays. Jovenel Moïse prend toute richesse pays à bail de trois nègres. Il va y avoir encore pays. Il y a des trois nègres qui ne sont pas très mal crasés. Mais tout reste, on va te dire, on va battre lui. Non, Jovenel Moïse n'avait aucun rôle pour ce pays. C'était un défenseur de l'oligarchie. Son défenseur système, non. C'est un reste avec système dans le pays. Il crase tout le pays, il crase le quartier populaire. Il crase toute institution, il va y bourgeois tout le pays. Ou pas gardien, ou t'es un pour pays, ou c'est des salines, ou prendre des paysans, plateau central, la Tibonite dans le nord, ou va à peine. Je ne suis pas d'accord avec une femme passe, une femme comprendre aujourd'hui, c'est ton président qui a un rêve. Non! Jovenel Moïse, c'était un criminel, c'était un délinquant. Il a passé dans l'histoire où un président est chef, un président volé, un président corrompu, un président criminel. Voilà la vérité. Je parle régulièrement avec M. Pierre Robert Auguste, qui est chef de cabinet, M. Messen. C'est lui-même, Maître Messen, mettez pour parler à tout le monde. Il lui dit nous, Maître Messen, Jean-Louis, son citoyen. Il n'y a pas un obstacle à la résolution. Ça veut dire qui ça, je veux dire. Il faut que tout le monde fasse sacrifice. Il faut que personne ne soit pas capable d'imposer la solution. Il faut que le secteur démocratique fasse sacrifice. Il faut que la société civile fasse sacrifice. Il faut que notre groupe politique yo fait sacrifice pour nous capables de jouer une solution consensuelle. Vous m'avez dit, ça veut dire aujourd'hui, c'est très démocratique et populaire. Nous ne pouvons pas frapper même sous table là pour nous dire que c'est une solution pas nous qui vous passer. Nous avons travaillé avec tout le monde, nous avons discuté avec tout le monde. Et la solution nous jouons ensemble, c'est lui-même. C'est la démocratique là à pas adopté. C'est lui-même qui a reconnaître. Il est venu le temps du dépassement de soi. Il est venu le temps de défendre l'intérêt national. Saluer le non-secteur démocratique et populaire. La presse est présente matin. Nous saluons toute délégation qui sortit dans l'Ouest, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans le Grand Nord. Ils viennent dans la réunion ce matin. Parce que aujourd'hui, son jour côté secteur démocratique et populaire, il fait deux réunions stratégiques. Réunion stratégique qui fait aujourd'hui avec délégués qui sortent dans l'Ouest, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest. Et actuellement, une réunion qui a fait dans le droit, et c'est le sénateur Nenel Kassi qui a dirigé la réunion. La réunion a fait avec délégués qui sont dans la région des Parcs, c'est-à-dire Gressier, Grand Goave, Tigouave, Léogane, Lavoine, pour qui sont dans le sud-est, pour qui sont dans le sud, pour qui sont dans le Grand Anse. Et dans la réunion, ça, consulter le département sous position politique, sous comportement politique SDP
secteur démocratique et populaire doit gagner un jour dia dans le contexte politique. Nous apprenons jusqu'à présent persécution politique va pouvoir poursuivre dans le plateau central dans le balai. Qui est le Michel? Il y a Jean-Yves qui a subi persécution politique. Et Exil Evans qui a subi persécution politique. Bien Bec Carré, ainsi connu, qui a subi persécution politique. Je dis à secteur démocratique et populaire capable d'annoncer nation que nous avons participé dans tout effort qu'a fait pour une solution dans la crise politique du pays d'Haïti a traversé aujourd'hui. Dans le commencement de la semaine, ça, nous avons participé à une grosse réunion avec le groupe Société Civile, par exemple, pour y aurait les marchés pour la vie, qui gagnent en pile force souterraine sur toute Société Civile. Réunion, ça a été la donne. Messieurs, dames, commission qui a cherché une solution à la crise. Là. Dans la réunion, ça a été gagné les signataires du protocole d'entente nationale. Réunion, ça a été gagné des groupes politiques qui passent un protocole là, tant pour le secteur démocratique et populaire, tant pour OPL, tant pour Unifos, et on prend l'autre groupe politique. Dans la réunion, ça, le secteur démocratique et populaire a renouvelé volonté pour travailler avec tout le monde pour chercher une solution consensuelle. Nous ne sommes pas capables de sortir dans la crise politique là avec 20 propositions, avec 15 propositions. C'est ça que fait le secteur démocratique là. Nous pas signé un protocole d'entente là. Et nous disons, amis qui sont dans la commission qui cherchent une solution haïtienne, là, à nous discuter ensemble pour nous chercher une seule solution. Et si une solution qui sortit, son seul groupe qui sortit, le secteur démocratique et populaire pas signé. Nous avons besoin d'un dépassement de soi pour défendre les intérêts de la République. C'est l'intérêt collectif qu'il faut défendre aujourd'hui. Ce n'est pas normal pour chaque groupe à venir porter des propositions. Pas eux. Nous avons une seule proposition de sortie de crise. Et c'est ça qui fait. La réunion qui fait, qui se porte au plein jeudi, qui se réunion qui a fait, qui est presque finie, le Gressier, nous avons plus ou moins un rapport, nous dit que c'est très démocratique là, ouvert pour parler avec tout acteur qui sont échiquier politique là, pour nous capables de chercher une solution consensuelle. Pendant la parole avec tout le monde, nous ne pouvons pas quitter la revendication du peuple à tomber. La conférence nationale là, pour le faire. Procès Petro-Caribé, pour le faire. Procès massacre La Saline, massacre Bel Air, massacre Cité Soleil, massacre Delma 32, faut que le procès soit fait. Et nous disons, faut que prisonniers politiques soient libérés. Faut que prisonniers politiques soient libérés. Kilik Baba, Samuel Belize, pas de droit dans la prison toujours. Jean-Denis qui est en prison, pas de droit dans la prison toujours. Nous avons des gens qui sont en prison au Caï. Nous avons des gens qui sont en prison Jacques Mel, ni en balais, dans la Timonite, dans le Nord. Port-au-Prince chargé prisonniers politiques. Nous ne sommes pas capables de quitter prisonniers politiques dans la prison. Secteur démocratique et populaire clair. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement. Tout autant par un consensus large. Tout autant par un accord politique. Nous avons une situation exceptionnelle. La Constitution n'a pas dit comment pour nous sortir de la crise là. C'est dans la discussion, c'est dans la concertation pour nous joindre une solution à la crise là. C'est tout le monde qui peut participer dans la concertation. Nous disons, c'est position nous. Il faut qu'on accord politique pour nous monter un gouvernement de consensus. Il faut qu'on accord politique pour nous monter un conseil électoral honnête, crédible, démocratique. Il faut qu'on accord politique pour nous créer un environnement pour tout procès, massacre La Saline, procès Petro-Caribé, pour procès ça est fait. Il faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Et nous disons, nous pas d'accord avec question exécutive en seule tête communauté internationale là et imposée dans le pays. Secteur démocratique là attaché à la loi pays d'Haïti qui dit faut qu'on pouvoir exécutif bicéphale, faut qu'on président, faut qu'on premier ministre. Voilà pourquoi nous avons continué à discuter, nous avons continué à parler avec tout le monde pour nous capables de joindre un accord politique.
Jinping pour nous joindre président, pour nous joindre premier ministre, pour nous joindre ministre, pour nous joindre conseil électoral, pour nous créer un climat de sécurité dans le pays d'Haïti. Et nous dit déjà, tout autant pas grand accord politique, le secteur démocratique n'a pas reconnaître aucun gouvernement. Par contre, le secteur démocratique là, nous ne pouvons pas faire n'importe où personne. Nous n'avons pas parlé avec tout le monde, mais nous continuons à porter revendication peuple. Et qui s'est délégué qui réunit ici à Delma 75 numéro 42 dans le local secteur démocratique et populaire, hein, siège central nous, qui s'est délégué dans le studio qui a réuni Grégoire avec sénateur Cassi, nous d'accord sur ça, nous pas quitter revendication peuple à tomber, nous pas quitter revendication population à tomber, mais n'a parlé avec tout le monde. N'a parlé avec tout le monde, n'a cherché concertation, n'a cherché consensus. Parce que nous ne pouvons pas quitter le peuple là-bas. Il y a un jour qui a été compris, c'est que la démocratie là pour lâcher Bayo, pour aller prendre le pouvoir, aller régler causer Bayo, c'est que la démocratie là, mon frère, mon ami, avant face où, si vous comprenez, pour aller prendre le pouvoir aujourd'hui, pour passer un papier pour revendication. Dans le pays, où il y a un militant. Pendant que nous faisons rencontre ça, il y a une autre rencontre qui a fait le même genre dans le Grand Sud, qui réunit Grand Danse, Sud, Nip, Sud-Est, avec région Les Pales. Deux réunions, ça y est, ont le même objectif, c'est fixer la position du secteur démocratique là, dans le cadre de la résolution de la crise. Secteur démocratique l'a toujours dit, le pays a besoin de consensus largement large qui implique tous les acteurs de la vie nationale. Et c'est un accord comme ça que le pays attend, que le peuple haïtien attend pour sortir dans sa vie là. Mais c'est dans ce sens ça, nous gagnons ensemble. Le monde qui parle de parole, c'est le monde qui sortit en dans département yo, avec M. André Michel qui va entretenir. Merci. En fin de la guerre, département du Sud. A salué la presse parlée, écrite, télévisée. C'est quand Vince la guerre, le débat de votre sujet. Jodi a, nous même dans le département de Louvina, pour nous dire tout acteur, pour nous dégager pressé, pour nous jouer nous accord. Nous demandons des secteurs progressistes, société civile progressiste, pour nous capables de rejoindre le secteur démocratique là, qui fait 5 ans en bataille. Jodi a, nous demandons pour tout le monde, venir avec proposition par sous table là, et ça nous même. Militants en département ont demandé pour faire une vision pour nous sortir du pays à l'ensalier aujourd'hui. Parce que nous avons des militants qui ont souffert dans la prison au Caille, nous avons des militants qui ont souffert dans la prison Port-au-Prince, nous avons des militants qui ont souffert dans la prison Mibale, Sud-Est, Grand-Est, tous côtés dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à nous-mêmes, dans le département, nous venons là pour nous parler avec vrais acteurs, puis nous chita ensemble, puis nous jouons encore. Puis être capable de sortir du pays à l'ensalier là. Et nous connaissons la constitution en dit clair. C'est un exécutif à deux têtes pour nous gagner. Mais je dis à moi, les blancs viennent bon nous, nous questions gouvernement, nous ne comprenons pas. Et ça qui fait nous dire, faut gagner un président, faut gagner nous bon premier ministre, à tout ministre, à tout gouvernement. Et ça qui fait nous venir là, je dis à. Nous demandons tout acteur pressé, le week-end ça même. Puis on joue nous encore, puis on sortit pays à l'ensalier. Non, c'est Calvin Lager, département Fatal Parkinson pour le département du Nord.
une minute, madame. Allez bien, vous avez besoin de vous. Et puis tout va. Ça tellement question. Et vous, il y a ça. Je salue la presse qui fait déplacement. Je salue pour qui l'on a dirigé le secteur démocratique. Nous-mêmes, dans le département de l'OA qui regroupe nous au sein de plateforme opposition Nord, nous clairons sous position. Coup d'État, PHTK fait contre le président de l'OA, nous dénonçons et nous disons que Jodia, faut pouvoir PHTK de facto à pas penser capable de récupérer coup d'État ça. Il est clair qu'aujourd'hui, faut toute force vive nos pays mettre ensemble pour sortir avec une proposition de sortie de crise unique. Pas gagner qu'un complot qui a fait contre le peuple là. Pas gagner une pièce pour qui peut laisser faire une proposition pareille. C'est une proposition unique qui a gagné là-dedans revendication fondamentale. Faut gagner le procès Petro-Caribéa, faut gagner le procès Massacre, faut gagner la conférence nationale pour d'autres pays de l'autre mode de l'État. Je dis à l'éclair, pas capable de gagner l'autre coup d'État contre le peuple. Faut créer l'électoral sacrasé. Toute population calégée pour que. Pèse pièce pour pas pour nous. L'État a d'assaut pour cette balle. Mais nous encourager et nous déterminer pour qu'il y ait une sortie de crise unique que ensemble de forces vives, pays à la Chita, pour notre pays à de l'autre. L'autre est son patal. Merci, professeur. Merci, Théodore, plateau central. Une minute. Théodore, ancien député, 47e législature. Nous-mêmes, nous sommes dans un gros plateau central à travers une organisation que nous avons, qui est l'État opposition sans le secteur démocratique là en donne. Les nous considérons ça qui passe dans le pays, c'est 6 et 7 juillet de ce passé là, nous dit que nous ne pouvons pas attendre à ça. Et puisque ça arrivait, nous avons des dirigeants secteur démocratique là, pour continuer dans la même lancée, même ça, on continue à faire. Côté que nous avons demandé pour nous gagner, pour nous atteindre notre consensus, pour nous gagner. Accord, largement large, avec tout secteur de société, que ces sociétés civiles, que ces sociétés politiques, nous demandons pour nous capables de gagner un accord large, pour nous capables de sortir du pays dans la situation que nous là. Parce que pour le moment, nous avons une vie politique, mais il faut qu'il y ait une décision pour sortir. Et décision pour sortir à travers société civile et société politique. Dirigeant secteur démocratique là, nous demandons pour le continuer sous même océan, négocier à travers un accord, trouver un accord, l'âge, pour ce petit pays. Merci, madame. Merci, madame Michel.
avocat, éducateur, coordonnateur MOSEC, qui c'est mouvement des citoyens engagés du centre, et porte-parole Proposco, qui c'est vraiment branche régionale de l'opposition politique et des associations civiles organisées. Nous avons écrit une lettre ouverte par tout secteur pour nous dire pressé, pressé pour une solution à la crise là. Parce que nous reconnaissons qu'un ensemble de secteurs en un pays qui a bataillé depuis à l'origine. Et nous sommes clairs sur ça. 8 septembre 2019, à Mirebalais, nous lançons un gros pétition rassemblement. Mais ça a été fait en 1791 pour nous être capables de combattre le régime PHTK. Qui t'a torturé, assassiné, exilé la population haïtienne. Proposco l'idi à tout secteur, pressé, pressé. Et échéance a fini aujourd'hui pour nous être capables de trouver une solution à la crise là. Mettez tête ensemble avec tout acteur initial qui t'a bataille pour capable combattre le régime PHTK pour nous rentrer dans une transition coupée et fâchée. Malheureusement, nous avons fait dilatoire. Et chance a fini aujourd'hui, Proposco par réunir pour nous capables de chita avec tout acteur qui est sens national, qui est patriote, pour nous capables de faire bataille là et pour finalement nous prendre la décision côté peuple là, les pour avancer tout bon vrai, pour nous rentrer dans la transition de rupture. Merci beaucoup. Nous vous donner la parole au territoire. Nous sommes Mme Joseph, nous sommes avocats, professeurs et militants féministes. Nous sommes dans le département de l'Ouest. Malgré nous connaître le Nord-Est, c'est pas sur PHTK. Malgré nous connaître que les anciens présidents de facto, Jovenel Moïse, lui-même, il sortit dans le Nord-Est. Mais ça ne va pas empêcher que nous-mêmes, nous dépuisterions par rapport à Jean, ancien président, ça a fait par pays. Et je dis, il faut que la société haïtienne, il faut que le monde qui a parlé pour toi, il faut que l'international la comprenne que le peuple n'a pas aussi criminel, même Jean avec pouvoir PHTK. Parce que là, nous regardons. Comment le peuple a concevoir la mort tragique, ancien président de facto, ça fait nous comprendre que la paille a mangé paille et c'est même l'ex-aïo qui continue à accaparer le pouvoir. Et nous-mêmes, au niveau SDP, qui porteur de doléances, nous réunis ensemble pour être tous département présents pour nous faire un complot positif, pour nous faire sortir de crise, pour nous garder les manger. Même Jean, ancien première dame, m'a dit la garde criminelle de l'ONANGE pour que nous gardions l'ONANGE pour nous avancer avec nos transitions de l'ONANGE. Merci. Bon, maintenant, c'est pratiquement mon tour, mais juste avant, c'est Jeff, Xavier, c'est la Tyrannie. Et tout de suite après, c'est moi-même pour nous parler au jury. Merci d'avoir été patient. Non. Jeff, Xavier. Je salue la presse, parler écrite, télévisée, médiane. Nous sommes Jeff Xavier. Nous sommes une organisation Mossa Mouvement pour sauver Haïti. Nous sommes une organisation qui regroupe en opposition Latibonite, Baéo et Wo Latibonite. Nous parlons de nos bases résistance, AKS, Saint-Marc, Titan. Nous disons que toute proposition qu'a faite, le peuple ici n'est pas capable encore. Nous demandons pour tout faire un seul pour que le pouvoir qui vient là pour aller dans l'intérêt de la population. Pour une prisonnier politique qui n'est pas capable encore, il a souffert. Nous demandons pour aller rapide pour que nous soyons capables de jouer une libération prisonnier politique. C'est ça, c'est ma faute. C'est ça la Tibonite demande. Donc nous joignons en tant que national avec toute force qui est en bataille progressiste. Même j'ai la Tibonite pour essayer là déjà à travers des organisations qui déjà ont une proposition. Mais nous disons avec tout le monde en bataille, quelle partie politique, organisation progressiste, nous demandons pressé pour que nous mettions toute proposition sur la table pour nous aller vers libération pays.
libérer tout président des policiers pour le peuple là. Je ne souffre avec la sécurité généralisée qui est là, PHTK, Moumé. Merci. 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 Merci.